Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, Elisabeth Blanc et son équipe, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il ne faut pas que j'éloigne mon... Voilà, très bien. Xavier Pi et l'Université de Perpignan, et bien sûr, monsieur le maire de Collioure qui nous accueille dans ce magnifique village dynamique, où je suis ravie d'être présente aujourd'hui, puisque je suis une ancienne Collioure-Incle et j'en suis très fière. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Alors aujourd'hui, je ne suis plus Collioure-Incle que je suis Totavelloise et je travaille essentiellement sur le site de la Côme de l'Arago à Totavel, qui est l'un de nos grands objets d'études. Mais évidemment, à côté de ces travaux sur la Côme de l'Arago, on travaille dans beaucoup d'autres sites dans le monde, sur lesquels on retrouve également de magnifiques séquences stratigraphiques continentales qui nous permettent d'étudier les paléo-environnements et les paléoclimats du passé. Alors, on se pose la question de comment peut-on observer un changement climatique pour essayer de comprendre les phénomènes qui en sont à l'origine. Si on observe le changement climatique actuel, on a accès aux phénomènes, mais pas forcément aux mécanismes. Donc la solution, c'est plutôt de s'orienter vers le passé, de regarder ce qui a eu lieu sur le temps long et de voir, au moins sur le dernier million d'années qui nous intéresse, nous, préhistoriens, parce que les hommes, les hominidés fossiles, ont évolué au cours de cette longue période, et de voir donc comment les mécanismes de ce changement climatique se produisent au fil du temps. Donc la préhistoire, pour nous, est une porte d'entrée vers la reconstitution des paléo-environnements et des paléoclimats, bien sûr, qui sont directement liés. Alors, le théâtre des opérations, c'est le Quaternaire. Le Quaternaire, c'est la dernière grande ère géologique dans laquelle nous sommes encore actuellement. Elle a démarré il y a 2,58 millions d'années. Et vous voyez qu'elle est toute petite hein, par rapport à l'histoire de la Terre. C'est vraiment le dernier tout petit morceau ici. Dernière ère géologique, nous avons une période de temps qui s'appelle le Pléistocène, qui, lui, voit apparaître les premiers hominidés du genre Homo. Donc, les premiers Homo habilis, par exemple, apparaissent il y a 2,5 millions d'années, à peu près, et donc vont être les premiers du genre Homo à évoluer au cours de cette période du Pléistocène, qui est une période du Quaternaire très particulière pour les préhistoriens, puisque elle va mettre donc en relation différents hominidés fossiles avec un environnement qui est sans cesse en évolution. La particularité de ce Quaternaire, c'est qu'il est rythmé par des cycles de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires. Et donc la principale caractéristique de ce Quaternaire, ce sont ces cycles climatiques qui vont rythmer tout le reste. Tous les changements environnementaux vont avoir lieu au cours de ces cycles. L'évolution des hommes et du vivant en général va se faire évidemment en relation avec ces cycles. Les modifications, les adaptations, les extinctions d'espèces vont se faire en relation avec ces cycles. Donc très tôt, les chercheurs ont travaillé sur ces cycles climatiques et ont essayé de comprendre à quoi ils étaient dus. Et donc c'est Milankovitch, en 1920, qui a développé une théorie qui explique encore aujourd'hui, en grande partie, ces phénomènes de changement climatique terrestre. Il a pu mettre en évidence donc trois paramètres principaux qui sont présentés ici. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, c'est un peu compliqué, mais globalement, vous avez des cycles de 100 et de 400 000 ans qui sont liés à l'excentricité de l'orbite terrestre, des cycles de 41 000 ans qui, eux, sont liés à l'obliquité de l'axe de la Terre sur le plan écliptique, et puis des cycles de 22 000 ans qui sont liés à la précession de l'axe de rotation de l'orbite terrestre. Alors, il avait découvert à cette époque-là déjà les principaux paramètres qui rythment ces climats quaternaires et qui sont des lois immuables, hein, puisque ce sont des lois astronomiques que les hommes ne peuvent pas changer, nous n'intervenons pas dans ces lois. En plus de ça, beaucoup plus récemment, les scientifiques ont également mis en évidence d'autres facteurs qui interviennent dans ces cycles, et notamment l'activité solaire dont Jean-Jouzel a parlé, le ralentissement de la vitesse de la rotation de la Terre, qui sont des phénomènes très très lents, hein, mais qui sont tout de même importants.
impactant, et la lente révolution du système solaire autour du centre de notre galaxie. Bon, il y en a d'autres aussi, les volcans, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc vous voyez que ce sont vraiment un tas de paramètres qui se conjuguent pour rythmer ces cycles climatiques naturels, qui sont des cycles observés sur la Terre et qui vont modifier profondément les paysages, les stocks fauniques, les hommes, les populations également, la répartition des populations, et qui vont conduire à des phénomènes d'adaptation, de migration et d'extinction d'espèces. Alors, d'après les calculs de Milankovitch, aujourd'hui, les climatologues qui travaillent justement sur l'actuel et sur le futur établissent des modèles dont on vient de parler, sur des temps assez courts, mais sur des temps plus longs, on peut donc envisager, grâce à cette théorie de Milankovitch, qu'une nouvelle glaciation interviendra dans 20 000 ans et qu'elle durera au moins jusqu'à 60 000 ans. Ces cycles-là, ils existent également sur d'autres planètes, et notamment sur la planète Mars. Ils ne sont pas spécifiques à la Terre. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé au cours du Quaternaire avec l'impact de ces cycles climatiques? On a eu des périodes de maximum glaciaire, où vous avez ici justement une représentation de l'extension maximale de ces calottes glaciaires et un niveau de la mer bas au maximum pour cette période-là. Et donc, vous voyez un petit peu la configuration qu'avait la planète à cette époque, qui est une période qui n'est pas très, très loin de nous, où les calottes donc, descendaient sur toute l'Amérique du Nord, le nord de l'Europe et de l'Asie, et où on avait donc, dans la zone de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie, des continents qui étaient reliés quasiment les uns aux autres, où les populations vivantes pouvaient se déplacer sans problème. Le phénomène qui a lieu au cours de ces périodes glaciaires et interglaciaires, ce sont les variations donc, du niveau marin, puisque nous avons, au moment des périodes les plus froides, l'eau qui est stockée plutôt sur les calottes glaciaires et un niveau marin qui baisse, et inversement, au cours des périodes plus chaudes, un niveau marin qui augmente et un appauvrissement de la glace stockée dans les calottes. Donc ce sont des variations régulières qui ont eu lieu au fil des cycles climatiques que je vous ai exposés précédemment. Alors depuis la découverte de Milankovitch, évidemment, beaucoup de paléoclimatologues travaillent sur ces phénomènes pour essayer de les percevoir de la façon la plus fine possible, et notamment vous aurez demain une présentation sur ce sujet par Maria Angela Bassetti pour la Méditerranée. Donc par différents procédés, les paléoclimatologues nous permettent, à nous préhistoriens, de s'appuyer sur des courbes paléoclimatiques, des courbes isotopiques très importantes qui sont pour nous des références chronologiques et climatiques. Et nous avons absolument besoin de ces références-là pour corréler nos événements préhistoriques, donc humains, culturels, anthropiques, avec donc, des périodes de temps bien définies et des ambiances climatiques particulières. Alors des courbes, il en existe des dizaines, plus ou moins longues, sur plus ou moins de périodes de temps. Celle qui nous intéresse surtout à nous, aux préhistoriens, c'est celle-ci, celle que l'on corrèle donc, avec le Quaternaire, avec le Pléistocène essentiellement, mais également l'Holocène, c'est-à-dire la période de réchauffement qui se situe au sommet de cette courbe isotopique. Et donc, vous pouvez voir très facilement que les cycles de Milankovitch sont représentés ici. Enfin, c'est la synthèse de tous ces phénomènes qui interviennent dans la modification du climat. Et vous pouvez voir également que sur le dernier million d'années, qui démarre à peu près ici, on a non seulement beaucoup plus de pics qui se situent dans la zone bleue, c'est-à-dire dans le froid, mais également une amplitude très importante entre les pics dans le froid et dans le chaud, c'est-à-dire des variations climatiques glaciaires et interglaciaires très très fortes, ce qui était beaucoup moins le cas sur le million d'années précédent. Voilà, donc ça c'est vraiment la chronologie de référence pour les quaternaristes qui vont nous permettre de travailler sur nos sites préhistoriques et les corréler avec ces indicateurs chronoclimatiques.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve, nous, dans les sites préhistoriques qui nous permettent de connaître les environnements et les climats du passé ? Eh bien, on trouve plusieurs choses, plusieurs indicateurs que je vais vous présenter rapidement. Les premiers indicateurs, ce sont les séquences stratigraphiques continentales, et notamment celles que l'on retrouve en milieu karstique, c'est-à-dire dans les grottes, puisque les milieux karstiques sont des pièges très intéressants pour bloquer à l'intérieur des cavités les différents sédiments qui se déposent au fil du temps et au rythme des climats en fonction de la nature des environnements. Donc, par exemple, je vous montrerai l'exemple extraordinaire de la cône de l'Arago, qui comporte un enregistrement sédimentaire de 15 mètres d'épaisseur, qui est tout à fait exceptionnel, qui nous permet d'accéder à une archive sédimentaire qui représente 600 000 ans d'histoire de ce Pléistocène, de ce Quaternaire. Alors, pour travailler sur ces séquences stratigraphiques et pour en tirer des conclusions sur les paléoclimats, on va s'attacher à la nature des sédiments, à leur origine, d'où est-ce qu'ils proviennent, et éventuellement à leur évolution géochimique, dont je vous parlerai tout à l'heure. Les deuxièmes indicateurs très importants en contexte préhistorique sont les faunes, les restes fauniques de grands mammifères ou de microvertébrés. Mais là, je ne vous parlerai que des grands mammifères. Ces animaux, vous le verrez, ont des affinités écologiques très importantes et donc vont nous permettre de conclure à des ambiances climatiques pour chaque niveau sédimentaire archéologique dans lequel nous travaillons. Les troisièmes indicateurs importants sont les pollens. Les pollens sont piégés également dans les sédiments qui se déposent dans les cavités. Ils sont extrêmement bien conservés, parce que ce sont des organismes très, très solides, même s'ils sont très petits. Et on va avoir des indications très importantes sur l'environnement grâce à ces pollens, et ainsi reconstituer la végétation qui existait autour des sites préhistoriques. Un autre aspect intéressant qui nous permet d'avoir accès cette fois à un autre élément de la paléoclimatologie, c'est la température des océans, que l'on peut étudier grâce à la malacofaune, c'est-à-dire à tous les petits coquillages marins ou terrestres, mais en l'occurrence ici marins, que l'on peut retrouver dans les sites préhistoriques. Les hommes préhistoriques ont mangé des coquillages, ou alors, comme ici, vous voyez, ils s'en sont coiffés, ils ont réalisé des parures avec des coiffes funéraires. Et ces éléments-là, qui sont donc soit des éléments de la vie quotidienne, soit des éléments plutôt rituels, nous permettent d'avoir accès à la température des océans à l'époque où les hommes ont prélevé ces coquillages. Le cinquième élément dont je parlerai rapidement, ce sont les plages fossiles ou les paléorivages que nous étudions également en préhistoire parce qu'elles sont souvent associées à des occupations humaines paléolithiques. Et notamment celle de... Vous avez un exemple ici des plages fossiles du Mont Boron à Nice qui s'échelonnent, vous voyez, sur près de 150 mètres d'épaisseur avec l'une de ces plages qui est tout à fait exceptionnelle puisqu'elle a servi de résidence à des Homo erectus de type européen qui ont domestiqué le feu à cette époque-là et j'en reparlerai rapidement tout à l'heure. Alors, les objectifs de ces différents travaux, de ces observations, de ces proxys, en contexte préhistorique pour avoir des informations sur les paléoclimats, évidemment, ce sont de caractériser les contextes de vie de nos hominidés fossiles. On peut essayer de comprendre leur culture, leur mode de vie, leur comportement, mais tout ceci, on ne peut pas le faire sans tenir compte du contexte dans lequel ils ont évolué. Donc on veut savoir absolument dans quel environnement ils vivaient, quel type de végétation était autour d'eux, quel type de climat existait à l'époque de leur présence sur nos territoires. Donc c'est pour cela que nous nous penchons très précisément, nous préhistoriens, sur ces aspects paléoclimatologiques pour reconstituer donc le cadre de vie de ces zones. Et puis pour effectuer les corrélations dont je vous parlais tout à l'heure, c'est également très important de pouvoir repositionner tous les sites préhistoriques que nous connaissons sur des échelles de temps et de climat, et de savoir, par exemple, que voyez, la cône de l'Arago fait partie des premières occupations humaines en Europe en contexte glaciaire. Au stade isotopique 12, donc, qui est une période glaciaire, on a ici, donc, dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, les premières occupations humaines qui ont lieu. Dans d'autres régions, il va falloir attendre beaucoup plus tardivement, il va falloir attendre à peu près cette époque-là, pour voir apparaître les occupations humaines en contexte glaciaire.
Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des informations intéressantes pour comprendre comment ces hommes ont migré, où est-ce qu'ils se sont installés, d'où ils viennent, par quel biais ils arrivent en Europe, quel chemin ils suivent, etc. On est capable, grâce à ça aussi, de corréler les principales acquisitions culturelles, par exemple, avec cette chronologie et ces climats. Et juste pour la petite anecdote, vous voyez ici, j'ai entouré en fait les deux pics de chaud les plus importants que le Pléistocène a connu, donc le stade isotopique 11 ici et le 5 dont on parlait tout à l'heure, il y a 125 000 ans environ. Et vous voyez que sur l'un de ces deux stades les plus chauds, nous avons un phénomène très important qui apparaît pour l'histoire de l'humanité, c'est la domestication du feu. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'il faisait chaud qu'ils n'ont pas eu besoin d'accéder à la production du feu, à l'indépendance vis-à-vis du feu, puisque ce feu leur servait à beaucoup de choses, bien évidemment, et non pas seulement à lutter contre le froid. Voilà quelques exemples donc. Alors je vais maintenant vous montrer ce que l'on, par rapport aux différents proxys que j'ai évoqués en introduction, ce que l'on peut déduire des études de la Côte de l'Arago à Totavel. Alors, je suppose que tout le monde connaît ce site, mais en quelques mots, c'est une cavité karstique qui se trouve donc au nord de la plaine du Roussillon, sur la partie la plus méridionale du massif des Corbières, ici, donc en bordure de la Méditerranée. Et c'est une occupation qui va durer 600 000 ans, mais qui est surtout très importante au cours du Pléistocène moyen. Dans cette cavité qui a servi de refuge à de nombreuses populations préhistoriques entre 600 000 ans et 90 000 ans. Voilà, elle est juste au-dessus d'une rivière pérenne qui est le Verdouble, qui coulait déjà à l'époque où les hommes occupaient la grotte, à 80 mètres au-dessus. Et elle fait face à une grande vallée qui était un refuge idéal pour de nombreux troupeaux d'animaux et pour une très grande biodiversité qui existait à l'époque dans cette région. Alors, ce remplissage stratigraphique de 15 mètres d'épaisseur à la Côte de l'Arago, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel au plan mondial. Il n'y a pas beaucoup de séquences stratigraphiques continentales aussi importantes qui comportent des témoignages d'occupation humaine. Donc, c'est ce qui en fait en plus son caractère exceptionnel. Et nous avons donc ici la possibilité de voir comment se comportent ces Homo erectus européens depuis, en gros, le stade isotopique 14, donc il y a 560 000 ans, ce sont les niveaux que nous sommes en train de fouiller, ici à l'avant, les plus anciens, jusqu'à l'époque du stade isotopique 5, c'est-à-dire il y a environ 100 000 ans. Voilà, donc c'est une longue histoire qui est enregistrée, qui est piégée, fossilisée dans cette grotte. Alors, c'est une archive sédimentaire hors du commun aussi, parce qu'elle a un intérêt archéologique majeur et notamment un intérêt paléo-anthropologique, puisque depuis le début des fouilles en 1964, organisées par le professeur Delemley et ses équipes, jusqu'à nos jours, depuis on a fouillé de façon ininterrompue, c'est la 54e campagne de fouilles que nous finissons après-demain dans ce site. Il a été découvert donc pendant ces 54 ans 151 restes humains. C'est ce qui en fait la plus importante collection d'Homo erectus européens dans toute l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est d'autant plus important, vous l'imaginez, de prendre un soin tout à fait particulier pour comprendre dans quels environnements et dans quel climat vivaient ces hommes. Donc nous avons dans cette grotte 33 niveaux archéologiques identifiés sur ces 600 000 ans d'histoire que nous identifions à la fouille, bien sûr, mais également par la suite par des traitements informatiques en 3D qui nous permettent de voir les sols d'habitat se succéder les uns après les autres. Alors, des industries lithiques exceptionnelles, c'est-à-dire des outils fabriqués par les hommes, des outils en pierre, qui sont tout à fait exceptionnels puisqu'ils démontrent, notamment pour ceux-ci, qui datent de 550 000 ans, ils démontrent que ces hommes avaient une maîtrise très poussée de la géométrie notamment, de certains concepts assez complexes de symétrie pour arriver à réaliser ces façonnages bifaciaux, ces magnifiques bifaces qui sont devant vous, qui nécessitent une très très grande expérience et une capacité conceptuelle très, très développée. C'était juste un petit mot pour aborder la culture de ces hommes qui sont de grands chasseurs et qui vont vivre donc en alternance dans cette cavité avec d'autres carnivores qui vont également l'occuper comme les ours. Alors, premier proxy qu'on va étudier pour savoir quel était le climat présent dans une couche archéologique, ce sont les sédiments.
Nous avons, au cours de la fouille, bien sûr, identifié des ensembles sédimentaires. Alors, pour la plupart du remplissage, la plus grosse part du remplissage qui comporte les niveaux archéologiques les plus fréquents, hein, qui sont ici marqués par une petite lettre rouge, nous avons trois grands ensembles stratigraphiques. Nous avons réalisé donc différentes études pour caractériser ces ensembles stratigraphiques et pour savoir dans quel contexte climatique et environnemental ils se sont déposés. Donc nous avons mené des études sédimentologiques classiques, où on va identifier, caractériser les minéraux qui sont présents dans ces sédiments, les minéraux lourds, légers, argileux, les granulométries, etc., pour arriver donc à avoir une carte d'identité parfaite de chacun de ces ensembles stratigraphiques. Et on s'est aperçu que l'ensemble stratigraphique 2, qui était au milieu, hein, sur la petite stratigraphie, est totalement différent des deux autres ensembles, 1 et 3, qui sont juste en dessous et au-dessus, qui, eux, sont les mêmes. C'est-à-dire que leur composition sédimentaire montre qu'ils ont été mis en place lors d'un même type de climat. Voilà. Donc, ensuite, nous menons le même type d'études sur les sédiments environnants, la grotte, pour savoir d'où proviennent les sédiments qui se sont introduits dans la cavité et par quel biais, par quel agent de transport ils ont été introduits dans la cavité. Donc, on caractérise, par exemple, les alluvions du plateau au-dessus de la grotte, puis on caractérise les alluvions de la plaine quaternaire. Et lorsqu'on compare avec les cortèges sédimentaires des ensembles stratigraphiques, on va pouvoir identifier l'origine des dépôts. Donc l'ensemble stratigraphique 2 s'est mis en place à partir du plateau et les ensembles stratigraphiques 1 et 3 se sont mis en place à partir de la plaine. Donc les cortèges, je vous l'ai dit, sédimentologiques sont différents, mais les interprétations climatiques le sont aussi. Puisque pour l'ensemble 2, avec un sédiment qui provient du plateau, il faut forcément qu'il y ait des infiltrations d'eau par les fissures du karst pour que les particules sédimentaires puissent s'introduire à l'intérieur de la cavité. Donc on va conclure plutôt dans ce contexte-là à un contexte tempéré et humide, alors que dans le cas des deux autres ensembles stratigraphiques, on va conclure à des apports éoliens qui proviennent de la plaine, en contexte froid et sec avec des vents très violents. Donc, vous voyez, on ne fait pas de la climatologie très fine, mais on arrive à identifier des ambiances climatiques très nettes. Il ne fonctionne pas bien ? C'est mieux comme ça ? Voilà, on arrive à identifier des ambiances climatiques très nettes, et c'est important pour nous, hein, pour bien distinguer les différents ensembles sédimentaires de ces grandes séquences. Ensuite, nous pouvons observer tous les phénomènes post-dépositionnels qui viennent impacter le sédiment, qui est déjà déposé, dont on sait d'où il vient, et qui ont également une implication sur la connaissance du climat, hein, du climat donc postérieur au dépôt. Et donc, on va avoir également des indications, grâce à ces instabilités physico-chimiques, sur le climat qu'il faisait après le dépôt, hein, post-dépositionnel. Donc ça, c'est encore une autre façon d'aborder le climat en préhistoire. Alors les faunes, elles vont nous aider à réaliser ce que l'on appelle des reconstructions paléo-environnementales. On va utiliser les associations fauniques, puisque les faunes préhistoriques, en fait, réagissent aux variations climatiques et aux modifications des biotopes, et donc elles vont réagir soit en s'adaptant, soit en migrant, soit en disparaissant. Et grâce à la composition faunique que l'on peut mettre en évidence dans un niveau archéologique, on pourra savoir si c'est plutôt un niveau qui s'est mis en place en contexte froid et sec ou plutôt en contexte tempéré et humide. Donc ces associations fauniques ont une signification en termes d'environnement. On a des associations de steppes ou de prairies, de maquis méditerranéens, de toundra, etc. Et on les retrouve intercalées dans différents niveaux archéologiques dans la cône de l'Aragon. Et donc, sur le principe d'actualisme, on se base sur ce qu'on connaît aujourd'hui des affinités écologiques de ces animaux. On considère qu'à l'époque, ils avaient les mêmes affinités écologiques. Et donc, on va en conclure tendances climatiques. Alors, juste cette grande liste faunique de la cône de l'Arago pour vous montrer la biodiversité qui existait à l'époque,
qui est vraiment très, très importante et qui, malheureusement, a tendance à énormément décliner, bien sûr. Mais sur cette liste, bien sûr, il y a beaucoup d'animaux qui ne vivent plus du tout dans le secteur de Totavel, comme le renne, par exemple, d'autres qui sont complètement éteints, comme le mammouth, et d'autres qui existent toujours, mais qui ne sont pas présents, tout simplement parce que l'environnement actuel ne permet pas leur présence. Donc, avec ces restes dans les différents niveaux archéologiques, on va pouvoir identifier très précisément des contextes environnementaux et climatiques. Quelques mots juste ici sur l'unité archéostratigraphique L. C'est un niveau d'habitat qui est ici, magnifique là, qui correspond à une halte de chasse qui a eu lieu dans la grotte il y a 550 000 ans. Ce sol est jonché de ces petites mandibules de rennes ici et des olons de rennes qui sont systématiquement cassés puisque ces hommes ont chassé les rennes pour manger la viande, bien sûr, mais pour également consommer la moelle qui se trouve à l'intérieur de tous les os. Donc c'est intéressant parce que c'est, je ne sais plus combien, 3522 restes de rennes, c'est énorme dans un sol d'habitat, montre bien que c'est l'espèce principale. Si c'est l'espèce principale, c'est qu'elle devait pulluler aux abords de la grotte. Et s'il y avait beaucoup de rennes à Totavel à cette époque, vous imaginez qu'il ne devait pas bien faire très chaud. Voilà, hein, donc un environnement et un climat qu'on a vraiment du mal à imaginer sous nos latitudes, ici, en contexte méditerranéen, et qui pourtant est attesté avec la présence de ces quantités de restes de rennes dans la cône de l'Arago. Un autre épisode qui montre cette fois un épisode climatique différent, c'est l'unité archéostratigraphique J, qui date de 500 000 ans, et que l'on interprète comme un campement saisonnier en période climatique tempérée. On va avoir donc dans tous ces ossements là, qui jonchent le sol, essentiellement du daim et du cerf. Ce sont deux espèces qui sont fortement inféodées au milieu forestier, et donc si elles sont présentes en abondance dans ce niveau archéologique, c'est forcément que l'environnement immédiat de la grotte était recouvert de forêts. Et donc, pour que les forêts soient abondantes aux alentours de la grotte, ben, il fallait beaucoup d'humidité et certainement des températures relativement clémentes. Donc, on interprète cette phase d'occupation qui correspond à mon ensemble sédimentaire 2, où les petits sédiments s'infiltrent depuis le plateau, à une phase climatique tempérée et humide. Donc un interglaciaire. Le voilà, les représentations qu'on peut en faire, le cerf qui brame dans la forêt avec un environnement cette fois très forestier et la présence des ursidés qui sont très très fréquents dans ces niveaux et qui eux aussi, notamment pour cet ours, l'ours de Denninger, ont besoin de milieux forestiers assez développés. Le troisième exemple, qui lui va concerner donc une autre étape, où on va revenir au froid cette fois, mais tout doucement, c'est celui de l'unité archéostratigraphique G. C'est un niveau d'occupation de longue durée qui a eu lieu il y a 450 000 ans. Vous le connaissez, ce niveau G, parce que c'est celui dans lequel on a découvert l'homme de Totavel, le crâne Arago 21 que je vous ai montré en introduction. Il a été trouvé dans ce niveau. Et ce niveau est caractérisé par une grande biodiversité aussi. On va trouver du rhinocéros, de l'éléphant, du cheval, du bison, du bœuf musqué. La présence la plus méridionale du bœuf musqué est attestée à la cône de l'Arago. Ce sont des animaux qui vivent près du cercle polaire. Donc on a vraiment ici une connotation avec les faunes assez froides, le renne aussi qui est très présent, mais vous le verrez tout à l'heure, l'indication qui nous est apportée par les pollens vient un peu tempérer ce climat froid, ce climat glaciaire, puisqu'on retrouve dans ce niveau également beaucoup d'essences, beaucoup d'espèces méditerranéennes, et donc on pourrait être à cette époque-là vers un refroidissement, en route vers un refroidissement, un très fort refroidissement, mais pas encore dans le pic le plus froid de ce changement climatique. Voilà un peu l'environnement tel que l'on l'imagine à partir donc des vestiges archéologiques et notamment paléontologiques que l'on retrouve dans ce niveau. Une steppe arborée avec les rennes qui sont déjà quand même présents, donc forcément un peu de paysage neigeux et steppique. On va aussi chercher des informations sur le climat, sur l'adaptation de ces animaux
notamment au niveau de leur régime alimentaire. Vous avez un exemple ici qui est celui du mouflon. Hein, le mouflon de la Côte de l'Arago est un grand mouflon, l'argali, qui en fait peut avoir une variation très importante au niveau de la morphologie de l'os incisif. Il s'agit tout simplement d'une adaptation en fonction de l'environnement, d'un animal qui sera plutôt brouteur ou plutôt paisseur. Et donc, selon la configuration, la conformation de l'os incisif, on va déterminer si l'environnement végétal était plutôt composé de feuillus ou plutôt de végétaux ligneux. On retrouve ça également sur les usures dentaires et notamment sur les dents de chevaux. On va avoir ce qu'on appelle des mésowers, c'est-à-dire des usures assez importantes, visibles quasiment à l'œil nu, qui vont nous donner des informations sur la végétation environnante et donc forcément sur le climat. De la même façon, les mouflons, à la surface de leurs dents, comportent différentes stries, rayures, trous, qui sont interprétables en termes d'alimentation. Les derniers jours de l'alimentation de ces animaux sont marqués sur leurs dents. On les observe au microscope électronique à balayage et on peut en déduire donc s'il s'agit d'animaux plutôt brouteurs ou plutôt paisseurs. Et grâce à ces informations-là, on va avoir des informations indirectes sur le type de couvert végétal au moment de la mort de l'animal, donc sur l'hygrométrie, sur l'ouverture du paysage, évidemment sur le climat. Voilà, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec la faune dans les sites préhistoriques. Ensuite, les pollens, on va aller les chercher dans les carottages, dans les prélèvements qu'on va réaliser donc à la surface des coupes stratigraphiques. On va les isoler avec différents traitements physico-chimiques et puis les spécialistes vont les identifier. Et grâce à l'ornementation de chacun de ces pollens, qui a une forme particulière en fonction de son espèce, les spécialistes vont pouvoir déterminer l'évolution donc, de la végétation au cours des séquences stratigraphiques et reconstituer les paysages et l'environnement. Donc voilà un exemple de quelques pollens vus au microscope avec ces formes particulières qui permettent de les déterminer. Et puis le diagramme pollinique, alors quelque chose de très compliqué, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que vous avez des phases justement où la végétation herbeuse domine, comme c'est le cas ici avec le gris, et des phases où c'est la végétation d'arbres qui domine. Donc les herbes, en gros, et les arbres qu'on oppose. Et on va avoir donc une indication sur l'ouverture et la fermeture du paysage. Plus on va avoir d'arbres, de pollen d'arbres, plus le paysage sera fermé, et inversement, plus on aura de pollen d'herbe, plus on pourra identifier un paysage stépique, une prairie stépique ouverte. Ce qui va nous donner, encore une fois, des indications indirectes sur le climat que l'on va corréler avec les indications obtenues sur les sédiments. Voilà, et c'est ma diapo suivante. Sur les sédiments, la végétation et les informations sur la faune qui ne sont pas présentes sur ce diagramme, mais exactement la même chose. Et on va pouvoir en conclure pour chacune des phases d'occupation archéologique de la cavité, depuis 690 000 ans, enfin, qu'on n'a pas encore atteint, mais on y sera bientôt, on va pouvoir en conclure un climat. Et vous voyez que l'on passe de phase tempérée à fraîche et humide, à tempérée, à froid et sec, à tempérée et humide, froid et sec, etc. Et on peut, grâce à ces magnifiques séquences exceptionnelles, mettre en évidence ces cycles climatiques du passé, qui, je le rappelle ici, sont tout à fait naturels et dont la petite population en présence à la Côte de l'Arago ne peut pas avoir d'impact, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, on n'est plus du tout dans le même problème que tout à l'heure. Les populations préhistoriques sont tellement faibles en termes de démographie que... et puis surtout leurs activités, sont de notre ordre, qu'il n'y a pas d'impact négatif sur ces changements climatiques. Donc ces cycles que je vous présente sont totalement naturels. La malacophone, donc, elle, va nous informer, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la température des océans. Alors, on a ce magnifique cas de la Dame du Cavillon, qui est une sépulture qui a été découverte dans une grotte à Ventimiglia, à la frontière italienne. Et c'est une jeune femme qui porte une coiffe funéraire. On l'a reconstituée ici, telle qu'elle devait être, vous voyez, recouverte d'ocre, avec une coiffe funéraire sur la tête. Et cette coiffe, elle est vraiment exceptionnelle. On l'a étudiée récemment. Elle comporte 297 coquilles de Cyclope neritea et 37 petites
35 petites craches de cerf. Les craches de cerf, ce sont les canines du cervidé qu'il crache à une période de sa vie et que les chasseurs, en général, récupèrent dans la forêt. Ces hommes faisaient des perles avec. Ce sont ces petites perles ici, les craches. Et sur le crâne, collé au crâne aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient montés en résille, tous ces petits coquillages, ces cyclopes néritéa. Alors, il y a une étude qui a été menée et qui a consisté à mesurer en fait, les isotopes de l'oxygène et du carbone dans ces cyclopes qui datent de 26 000 ans, puisque la défunte que je vous ai présentée, elle a un âge de 26 000 ans avant le présent. Et on a comparé les teneurs en isotopes d'oxygène de carbone avec des cyclopes actuels. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez bien les échelles, on ne les voit pas trop, mais les cyclopes actuels qui ont été ramassés au Gros du Roi et puis sur d'autres plages italiennes, les cyclopes actuels sont bien plus gros en taille que les cyclopes qui étaient sur la coiffe de la Dame du Cavillon. Et lorsque on réalise donc les dosages qui ont été faits sur ces coquillages, on peut voir qu'il existe deux groupes bien distincts, celui des coquillages de la coiffe d'il y a 26 000 ans et celui des coquillages actuels qui se démarquent bien et qui montrent donc qu'il y a eu un changement important dans la température de l'eau qui a fait évoluer donc ces coquillages de façon différente. Et le spécialiste qui a travaillé dessus, Louis Rousseau, a proposé donc pour cette Dame du Cavillon, en comparaison avec d'autres travaux qu'il avait effectués au préalable, une température moyenne de la mer à cette époque, donc il y a 26 000 ans, qui était de 1,5 degré. Voilà. Donc bien plus froid que l'actuel. Et on remettra... voilà. Et en fait, il y a de nombreux travaux qui ont eu lieu sur les coquillages sur différentes périodes de temps depuis le Pléistocène inférieur jusqu'à l'actuel. Et cette courbe vous montre justement l'évolution de la température de la Méditerranée, notamment, à travers ce temps, en mesurant, en dosant les isotopes de l'oxygène sur ces coquillages que l'on retrouve dans des contextes préhistoriques. Voilà, c'est une autre façon d'appréhender l'évolution du climat qui est tout à fait intéressante et auquel les préhistoriens ont accès. Et le dernier, donc, ce sont les fameuses plages fossiles qui s'enregistrent lorsque la mer monte et dépose des sédiments, des galets, des coquillages sur les rivages. Au moment du retrait de la mer, parfois, dans des conditions particulières, ces dépôts vont se carbonater, vont devenir durs et vont se conserver au cours du temps. Et nous avons un très beau témoignage à proximité d'ici, donc à Port-la-Nouvelle, sur le site des Ramandils, que nous étudions depuis de nombreuses années. C'est un site exceptionnel puisqu'il montre environ 5 occupations humaines de Néandertaliens et à la base de ces occupations, ici, au tout début du remplissage, une plage fossile marine qui daterait de 125 000 ans du stade isotopique 5, donc du plus fort réchauffement que la planète a connu de façon naturelle au cours du Quaternaire, hein, bien sûr, pas avant, il y en a eu bien plus, enfin, ça a été bien plus chaud. Et donc, la présence de cette plage fossile ici n'a pas permis l'installation des hommes, puisque l'eau était vraiment là, sur place, dans la petite cavité que je vous ai montrée. Et au moment du retrait de la mer, c'est-à-dire au cours d'un refroidissement du climat, les hommes sont venus s'installer dans cette petite cavité régulièrement. Alors, 4-5 occupations très importantes et la plage marine à la base, des occupations néandertaliennes très intéressantes également, avec des cortèges de faune qui nous permettent de voir des petites variations qui correspondent à des changements climatiques plus abrupts, très fins, qui durent peu de temps, mais que l'on est capable également d'identifier grâce à ce matériel-là. Donc voilà la plage marine, enfin un morceau à coquille et galets. On y trouve notamment les Tapes Dianae qui sont particulières de la plage tyrrhénienne et donc qui nous permettent de dater cette paléoplage, cette plage fossile à 125 000 ans. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si je...